c'est que dans la vie, normalement, il n'y a quasiment personne. Donc pour nous, c'est très bien. Alors. Donc, je vais pouvoir commencer. Ah. Ok. Ok, donc on peut continuer. Alors, que j'explique un peu ce qui s'est passé entre-temps par rapport à hier. Hier, on a réussi à atteindre un des gars qui était envoyé de dessus pour essayer de retrouver du coup le noyau et pour voir un peu qu'est-ce qui se passe et le remettre en ordre étant donné que on a su que hier le noyau c'était la fille du personnage principal auquel on jouait. Donc du coup là nous on en même temps on essaie de retrouver notre fille qui s'avère être le noyau. Donc on va voir de comment ça peut se passer, de comment on va arriver à la retrouver, étant donné que ben, tout simplement notre fille peut être potentiellement en danger parce qu'il y a au taquet de monstres à l'intérieur. Donc on y va. Là, on était dans cette petite ville. Donc, du coup, là, on va essayer de retrouver un peu, de retrouver un petit peu notre chemin pour pouvoir aller à notre ville, hein, tout simplement. Enfin, pour aller retrouver notre fille. Donc là, dans la planque de O'Neill. Qui est juste ici. Dites-moi. Ça fait déjà une semaine que vous êtes coincé ici. Déjà? Merde. Le temps s'écoule bizarrement ici. C'était censé être une opération de routine. Du genre à prendre à peine quelques heures. Mais merde. J'ai jamais rien vu de pareil. Comment ça? C'est normal qu'il se passe des trucs bizarres quand un noyau débloque, mais là, on a dépassé le bizarre. Cet endroit est en train de tomber en lambeaux. On s'est servi de l'émetteur de champ stable, mais il ne fonctionne pas comme prévu. C'est quoi l'émetteur de champ stable? Si c'est Mobius qui vous envoie, vous devriez pas être au courant. Donc voilà. Là, on va pouvoir continuer un petit peu. C'est de là qu'on vient. J'aimerais bien voir ce qu'il y a derrière cette porte. Ok, donc là on a des munitions. Ça c'est plutôt cool. Ok. Essayons de trouver le signal dont il m'a parlé. Hmm.
c'est la seule piste que j'ai. Mon Dieu, j'espère que c'est vraiment Lily. Ok, donc on sait qu'il y a des rebelles qui pourraient être pas loin. Hello Dark, comment ça va? Non, je vais essayer de... Je suis pas morte depuis le début, je suis pas morte. Vraiment, je suis vraiment pas morte depuis le début. Si ça continue de s'effondrer comme ça, il y aura plus grand chose de la ville à fouiller. Il faut que je trouve ce signal. Ok. Alors, je viens d'avoir un tremblement de terre. Il y a des rebelles. C'est génial. Il y a des monstres. Je sens que je vais m'amuser. Voilà. Alors, c'est absolument, mais juste, magnifique. Juste la ville comme ça. Le petit truc comme ça. Oh, mais ça m'a trop beau. C'est vraiment trop beau. Alors, il faut juste qu'on fasse attention parce que là-bas, ça bouge. Donc ils sont là-bas. Donc il faudrait éviter de... Mais tout simplement... Wow. Non mais c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est trop beau en vrai. Bon. Je vais commencer un petit peu à fouiller en faisant attention. Des corps. Pas que je grimpe. Regardez, il est juste ici là. Il a passé la voiture. Le voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que je peux rentrer dans l'église ou pas? Ok, donc là j'ai donc une bouteille. Il est où? En même temps, là je vais récupérer un petit peu. Ça c'est cool, puis des pièces détachées c'est vraiment cool, je pourrais vraiment faire ça c'est le signal rebelle, ouais. Caisseur ravitaillement, fabrication sur le terrain, localisation des points, ouais. Établi, ouais, on l'a vu. Alors, ok, ça c'est plutôt cool.
Ça, on l'a entendu. Ouais. Ils sont trop nombreux. Serre les dents, James. Ça, on l'a localisé. Ok, donc ça c'est une envie de prier. Bon, écoute, on va voir ça un peu plus tard. Hein. Quand je me retrouverai face à une horde de monstres qui voudra ma peau pour la bouffer. C'est vachement charmant dit comme ça. Je l'accorde. Du coup, la localisation, donc ça c'est une opératrice de Mobium qui apparemment vient de décéder. Ok. J'aimerais bien voir ce qui se passe dans l'église. Ah. Désolé, c'est lui qui prie du coup. Est-ce que ça va? Il n'y a plus de prêtre. Donc bon, j'ai plus besoin de me confesser, quoi. Peut-être que c'est peut-être à cause de mes péchés qu'il est mort. T'en savoir, hein. Parce que je lui fais peur. Hein. Peut-être parce que c'est lui qui a trop péché. Allez hop. Tu crois qu'on peut faire ça? Non, c'est un péché, t'as vu, je peux pas faire ça. C'est un péché, ouais. Tu peux pas faire ça. Je pense que l'œil, ça. Mais t'as vu que j'ai jamais vu ce qu'il y avait en dessous d'un prêtre? On dirait que le padre s'est pas laissé faire. Bon, enfin, quand même. C'est pas laissé faire, c'est pas laissé faire quand même. Oui, non, mais ça c'est normal, comme tous les hommes, hein, tu me diras, tous les hommes,
Disons ce qu'on appelle l'équivalent d'une bite, tout simplement. Voilà, à un moment donné, c'est faut dire ce qu'il y a. Maintenant, de là, est-ce qu'ils portent des strings, des culottes ou des boxers, ça, je veux pas savoir. Honnêtement. Que je casse, pourquoi tu veux que je casse la statue? Oui, ça, tu sais, après, on sait pas ce qu'ils portent réellement, les prêtres. S'il faut, c'est très mal, tu sais, genre, ça prend l'air, hein, s'il faut. Non, on sait pas. Hein. Signal rebelle et plaindé de Mobius. Ah, c'est là qu'il y a l'arbalète. Signal rebelle, explorer la renaissance des Mobius. Enfin, la résonance des Mobius. Ok. Et est-ce qu'il faut. Je vais essayer d'aller voir de loin le signal rebelle en passant par le blindé. Voir. Ah, ben, il y en a une autre ici aussi. Les statues, ouais. Ah, c'est la plante. Oh, génial. Des clés. Il m'en faut 32, c'est une blague. Donc en fait, il faudrait que j'aille fouiller toutes les maisons, quoi. Il y en a juste là. J'ai dit, tu fermes ta bouche. Ben lui, il est crevé. C'est génial. Ouais, ils sont vachement agiles. Ils sont vraiment agiles. C'est sûr que c'est pas comme dans les restants des villes où c'est que bon, ben. Voilà, entre les moines et les villageois et surtout dans le 4. Ils sont quand même un petit peu plus agiles. Et ils sont quand même. Madame, faut pas courir comme ça.
Alors, que je regarde un petit peu ce qu'il y a d'autre. Bon, on passe sur les maisons maintenant. Qui brille. Oh, un pied. Oh, un tuyau métallique. Ça, c'est bon, ça. Un bout de tuyau en acier un peu rouillé, pas très utile en tant que gourdin. Et puis, vous avez des armes à feu. Ce composant peut être utilisé pour fabriquer des objets rouillés. Ok. C'est toujours bon à savoir. Hop, lui. Je le prends. Alors, après simple question, Dark, est-ce que t'as déjà joué à ce jeu toi ou pas? C'est génial, en plus ça mon PC vient de s'éteindre. Ah, tu l'as planté quand même. Ah ouais, ça c'est cool ça. Après, tu vois que bon, je suis un petit bébé dans ce jeu. Ben, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Et moi, je fais tout à l'envers, hein. C'est-à-dire que moi, je fais d'abord le 2, après je fais le 1. Ça n'a aucun sens, mais c'est. Bah, en fait, là, je suis en train de faire le 2 avant même de faire le 1. Du coup, bon, c'est pas forcément le meilleur, mais au moins. Ouais, je sais qu'après, bon, c'est pas très très grave. Mais après, bon, voilà, c'est sûr que moi j'aime bien. Le premier, il est beaucoup plus flippant que celui-là, c'est ça? Après, quand je le trouverai, peut-être que je ferai le 1 aussi, tant qu'à faire. Mais pour le moment, bon, je me fais celui-là et puis. Il va y avoir une couille là qui va arriver. Ah non, fusil de précision, c'est une. Oh! Oh! C'est ça qu'on aime! Bon, il est cassé. Le canon est foutu, mais le reste a l'air intact. Il va falloir que je trouve des pièces pour le réparer. T'inquiète. Oui, je me doute bien que l'ambiance elle est différente. Hein. Ah, alors, journal du com modus pièce de rechange. Une transaction d'un échange trouvé sur le communicateur. Skating. Nous sommes sur le toit du bâtiment à côté du centre d'information. J'ai explosé le canon de mon fusil de précision. Poulet, va. J'ai besoin d'une pièce de rechange maintenant. Bah, fallait pas le péter en fait.
McCoy. Les pièces sont dans le cabanon en face. Mon portable qui s'active tout seul. Non, ça va le faire. Donc je disais, les pièces sont dans le cabanon en face du garage d'Union. C'est au nord-ouest de la ville, juste à côté de la faille. Sérieux, je vais pas, Katie. Je me fous de savoir où elles sont. Apporte-les-moi avant que ces choses ne me trouvent. McCoy, merde. Pourquoi c'est toujours moi l'émission dangereuse? Bah, attendant, ton collègue, il est crevé, donc. Il y a des positions. Ok, donc là, normalement, là, c'est le blindé. Ici, c'est la. Je pense que je vais peut-être retourner à la planque pour. Non. C'est pas là que je voulais aller. Normalement, eux, ils sont. Oh, punaise. Là, je suis blindée en arme, en fait. 12 balles de pistolet, laissez tomber, les gars. Après, oui, du coup, je me doute bien que l'ambiance doit être hyper différente par rapport au. Ah, je crois qu'ils se sont fait défoncer. Je crois. Attendez. Attends, en même temps, j'en profite. Je rallume juste un petit peu mon PC. Profite en même temps de la petite vue sur les petits morpions. Ouais, non, mais je crois que je vais les appeler comme ça. Je vais les appeler des morpions. T'sais. Je vais les appeler les morpions. Alors, juste à bah oui, je comprends mieux pourquoi. Voilà. Ok, alors. Mais je crois que d'ailleurs, les rebelles se sont fait littéralement défoncer par les morpions. Alors, je ne vais. Alors, ouais, ça je l'ai vu. Inventaire. Ok. Grave, j'avoue, tant que c'est pas moi qui en ai des morpions, laisse tomber. Vu que j'associe tout, vu que les morpions c'est ignoble et dégueulasse, bah, et ces monstres sont ignobles et dégueulasses, bah, du coup, j'associe tout, tout ce qui est ignoble aux morpions. Ouais, ça passe plus rapidement. Alors, ah vas-y, je suis besoin d'être comme ça là en vrai. Est-ce qu'il y en a en bas? Utilisez l'échelle. Allez, vas-y, sans papy. Alors, on va essayer d'aller fouiller les autres maisons pour voir un peu. Donc on a eu. Putain, ça m'a fait peur ça. Elle fout les poubelles, c'est. Un caillou. Tu vas foutre un caillou toi. Elle a pas besoin de caillou chez nous. Ok, là.
on peut pas y aller. Là, c'est bloqué. La petite plante. Ok. Le blindé. Normalement, le blindé est là-bas. Ok. Bah là, on l'a déjà éteint. Serre les dents, James. On a déjà vu pire que ça. Et cette fois, on est mieux armé. Je viens de l'écouter, ça. Ça aussi, je viens de l'écouter. Oh, putain, il y a un gros. Ils font chier, les gros. Parce que du coup ils sont beaucoup plus coriaces que les autres. Ça n'a qu'un truc. Non. Viens mon gros, viens. Viens faire du sport un peu. J'ai rien contre les gros, mais putain qu'est-ce qu'il est dégueulasse. Je l'ai semé, t'es sérieux? Mais c'est pas ça que je veux, c'est ça. Je cours vite, ça va. Mais en même temps, je voulais le prendre à part pour mieux le. Non mais regarde-moi ça. Bah, il est ignoble. Il est vraiment ignoble. Mais j'ai du mal moi avec les gros, comme je peux dire. Alors, les rebelles, on va voir s'il y en a qui sont encore en vie ou pas. Je crois qu'il y en avait un sur le toit d'ailleurs, parce qu'il est ce coin là. Ok, ah putain, ça va être tendu. Je peux pas passer par derrière. Ils me verront pas, au moins comme ça. En vrai, c'est une putain de blague. Ah.
Je vous dis, j'en fais défoncer. Défoncer. D'un calme vert, je me suis foutu, mais je suis en plein dedans, quoi. Vas-y, je me barre. Que tu racontes, tu m'as pas vu. Oui. À me dire, si je parle pas, je suis tellement concentrée. Tu sais. Oh, le léger petit bug. Ok, donc ça on l'a vu. Il y a au niveau d'ici et d'ici. Je pense que je vais plus aller checker ce qu'il y a là-bas. Ah là, ça bug en plus, c'est bon. Qu'il aura vu. Voir si je peux défoncer quelques gueules de plus. Ça, ce sera pas une grosse perte vu qu'on est dégueulasse, les gars. Vulgaire, littéralement. Je m'excuse du coup d'être aussi vulgaire. Non, mais c'est vrai que des fois je fais pas vraiment attention et ben, je dis les mots dès que je les pense un peu, quoi. Non, du coup, désolé. Ok. En même temps, j'ai dû faire quand même hyper attention. Pas trop trop tomber. Ouais, enfin, je suis pas au point, c'est que je suis comme cochonne. J'aime pas en fait. Moi, je suis juste vulgaire un peu. Je m'en fous en fait. Enfin, je m'en fous. C'est pas que je m'en fous pas, c'est que. Bon, ben. Je dis ce que je pense, donc du coup,
Je sais qu'il y en a que ça, à qui ça peut déranger un petit peu. Justement, ce genre de d'options-là. Mais j'ai de faire mieux. Ok, du coup, l'arbalète, Ça faisait on a longtemps que j'avais trouvé. pas vu l'un de ces trucs. Ok, c'est cool. Ok, trophée obtenu. Yes. Contente de te voir. Bah oui, l'arbalète en même temps. Oh oui, après, moi aussi, je reste moi-même. Mais bon, c'est sûr que. Bon, mais voilà. Je reste moi-même. Mais pour la vulgarité, j'essaye aussi de faire attention à ce que justement. Comment dire? Ça soit pas trop fréquent que tout simplement je sois pas trop vulgaire parce que je sais que bon, ben Twitch, des fois ça passe, mais ça commence à être un petit peu plus, disons, un petit peu plus restreint niveau parole, comme les gros mots et tout. Ensuite, l'utilisation de l'arbalète sentinelle. Donc c'est L2 pour maintenir et viser. R2 pour maintenir armé. R2 pour relâcher tirer. Ok. Changer de carreau. Ok. La plupart des carreaux de l'arbalète sentinelle peuvent agir comme des mines de proximité une fois fixées sur une surface. Sébastien ne les déclenchera pas. Tirer un carreau d'arbalète sentinelle sur une surface directement opposée à une autre surface vous permet de créer un piège à détente. Un laser rouge visé, enfin un laser rouge apparaissant sur un la visée vous montrera où le fil de détente sera créé. Ok, carreau électrique. Ce carreau délivre une charge électrique passant d'ennemi en ennemi afin de les étourdir et parfois de les faire tomber. Vous pouvez aussi les tirer sur les boîtes à fusibles hors service et des flaques d'eau pour déclencher des effets d'environnement d'eau spéciaux. Vous pouvez fabriquer des carreaux électriques en combinant des fusibles et de la poudre de à canon. Super, vous pouvez piétiner des ennemis à terre pour les achever. Oh, ça c'est cool ça. Ça c'est cool. Allez, encore une tremblement de terre. Oh non. C'est une blague. C'est cool ça en fait. Électrochoc. C'est génial ça. On sent que je vais aimer. Oh. Bonjour. Oups. Crever.
un carreau harponneur, ce carreau d'arbalète empale les ennemis qu'ils frappent silencieux lors de leur détente. Ils peuvent se relever très utiles, ils peuvent révéler très utiles dans certaines situations. Vous pouvez fabriquer des carreaux harponneurs à partir de tuyaux métalliques. Ça, on en a récupéré un tout à l'heure. De carreaux métalliques, enfin de tuyaux métalliques. Donc c'est plutôt cool. Ok, je vais essayer. Du coup, je récupère du coup la hache. Vous en faites l'acquisition. La hache remplace temporairement le couteau et survit au combat. Le couteau de survie au combat. Elle peut tuer instantanément certains ennemis, mais se brisera après la première utilisation. Vous trouverez des haches au sein d'union ou aux mains de vos ennemis. Ok, donc ça c'est plutôt cool. Donc ça c'est vraiment chouette. Que je regarde un peu, qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres trucs ou pas? Oh oui. Je vais voir si je peux pas tout simplement. Donc, ok. Ça c'est fait. Par contre, ouais. Donc là, on a récupéré quand même pas mal. Ok. Ok. Donc ça, on peut continuer. Il y en a un là-bas. Attends, je vais essayer ça. Ramène tes fesses, parce que si je te loupe. Mais tu te casses, oui? Attends, toi, quand je fais des... morte parce que j'ai pas été assez réactive. Ma première mort, sans déconner, je vais l'achever la meuf, je vais la défoncer à tout moment, genre je vais la tuer en fait. Elle va comprendre comment je m'appelle. Ah non, punaise, putain, du coup là je reviens trop ici et tout. Donc ça là on vient de le voir, ok.
business de couteau là. C'est quoi qu'à soi? Je vais essayer de les semer. Et là, je vais tous les massacrer. Ok, ça suffit. Ok. Alors. Ok, ça c'est ok. Par contre, c'est ça moi là que j'aimerais bien arriver à comprendre, c'est-à-dire trouver d'où proviennent les voix de la fille en utilisant le. Et ça c'est. Explorer. Ouais, mais là, je suis là, en fait. Donc ça, on l'a vu. Ok. Donc ça c'est donc fait. Ok.
mais c'était quoi? Quoi qu'ils puissent être, ils ont dû passer par là. Va savoir où ils sont allés. Moi, je vous parie qu'il est mort, quoi. Enfin, ils sont tous morts. Ok. Encore des signaux. Je ferais peut-être bien d'éviter ces deux-là. Ce sont des agents renégats. Mais d'un autre côté, j'ai besoin d'armes. T'as besoin d'armes, ouais. Mais, voilà, quoi. Alors, c'était elle qu'il fallait faire aussi. Qui est là-bas? Ok. Donc on y va. Je me demande si on peut pas rentrer dans les trains. Alors, si c'était censé pour faire peur, les rats. Bon. Comment vous dire? Que le jour où c'est que j'aurai pas des rats, je pense que ça sera. Dans une vie. Un masque mystérieux. Vous avez l'impression d'avoir déjà vu ça auparavant. Mais n'arrivez pas à savoir où ni quand. En tout cas, ça a l'air plutôt chouette, donc vous décidez de le garder dans votre salle. Ok. Et ouais, du coup, Dark, ouais, Burke. pour les rats. Mais je sais que tout le monde n'est pas fan de rats. Moi, je sais, ça me dérange pas. Je suis pas sadique, hein, attention. D'explorer un petit peu autre chose hein, pour voir ce que je peux trouver. Tac tac tac. Ok. Oui, il fait froid d'un coup là. What? À quoi tu joues, mon grand? Il a cru que c'était un pantin, quoi, le cadavre. Pièces détachées supérieures, ça c'est cool, ça. Ces composants sont de meilleure qualité que les pièces détachées standards. Ils servent à déverrouiller des armes d'amélioration. Enfin, des nouvelles améliorations d'armes. Ok, ça c'est plutôt cool. Tac tac tac, je prends. Y a rien d'autre si là. C'est quoi ça? Poudre à fumer. Cette poudre sèche émet de la fumée lorsqu'elle est exposée aux flammes. Je vais y arriver. Ce composant peut être utilisé pour fabriquer des objets utiles. Ok, donc ça peut être pas mal à savoir. Ok, donc là on peut commencer à sortir du train pour éventuellement. C'est ça, casse-toi petit rat. Aie peur de moi. On va commencer à s'approcher peut-être un petit peu plus. Là, je vais peut-être aller voir dans le second, voir peut-être ce qu'il peut y avoir. Il y a un nouveau signal. Ouais, elle est là-bas.
Ouais, mais là je vais juste aller checker pour voir. Oh, il y a un truc ici. Des clous. Pas mal. Ça peut être utile. Ces longs clous en acier sont normalement utilisés pour les bâtiments. Elles sont parfaites pour une utilisation en tant que shrapnel. Ce composant peut être utilisé pour fabriquer des objets utiles. Ouais, ben j'espère. Alors. Hop, c'est super. J'aime pas ça. Ouais, la poignée, bah écoute, tu pensais à passer par ailleurs, autre que cette poignée. Bon, c'est pas grave. Voilà pourquoi généralement il faut pas passer par les portes. Il faut toujours passer par les fenêtres. C'est mieux. Pourquoi j'estime que ça... Alors il a bugué, il s'est affiché sur l'écran tu me demandes PC. Ok, oula, ça annonce un prochain cadavre. Qu'est-ce qu'il a lui? Examiner. Il a un truc? Pochette. Cette pochette de nylon sert à transporter des munitions supplémentaires pour le pistolet. Oh ouais, super. Du coup, là, ça avance. Comment ça devient? Son slip? Tu crois qu'elle a des trucs dans son slip? Non, il n'y a plus rien. Slip ou string? Attends la vie. Il porte un slip ou un string, le mec? Là-bas. Mais sort, je sais pas, fait quelque chose, sort. Moi je pense, tu sais, qu'il a un maillot, tu sais, ces maillots tout dégueulasses là pour les hommes là qui cachent, enfin qui fait string et qui cachent uniquement leur sgeg là. Moi je suis sûr, il porte un truc comme ça. Genre sous lui. Je suis sûr. Ah merde. Ah j'ai horreur du monde ralenti, comme ça. Ah ouais, non mais moi ça part loin, ça part loin, les délires ils peuvent partir loin en vrai. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas me poser la question en vrai. Ça va toujours être des trucs mais genre à moi, what the fuck. En plus on sait que je te raconte ça, c'est l'appareil photo, si il prend une photo, c'est genre croire que c'est qu'il voulait voir, tu sais. Il voulait immortaliser le moment où c'est que il avait l'image. La blague. Moi j'aime bien les trains en vrai. Je trouve ça tellement apaisant. Quand tu y roules. Sont envahis par ces choses.
Donc en plus de ça, normalement là on s'approche. Ah non, on l'a dépassé. Elle est où? Oh, on vient de le voir. Je vais aller là-bas en même temps. Comme ça sera fait. Ok, donc il faut passer là-bas. Ok. Ça serait de con que je me fasse choper. Je sais pas pourquoi, mais ça pue. Non, dans le jeu. Non, t'inquiète. T'inquiète. J'aurais rien dit si c'était le cas. Mais genre, je sais pas pourquoi, mais dans le jeu, genre, je sens que y a une couille dans le pâté. Ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah, tu prends. Allez hop, petite sauvegarde. Fabrication, attends. Fusil de précision. Il me manque ses composants, donc les pièces de recharge pour fusil de précision. Ok. Carreau, ça on peut faire ça. Ça au moins comme ça, voilà. Oh, génial. Voilà, qu'est-ce que je peux faire aussi? Ça. Ok, on en fait une au moins, comme ça sera fait. Retour, amélioration d'armes, qu'est-ce que je peux faire? Ça, normalement, on n'a pas assez. Ça aussi. Donc ça, comme ça c'est fait, la contenance de tir c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Puissance de feu, c'est 90, c'est 600, non. Capacité de munitions, est-ce que je me demande de faire, j'en ai pas assez. Ok. Je vais essayer d'en trouver davantage pour voir si c'est possible ou pas. Ah d'accord, donc ça m'affiche ce que moi j'ai. Ok, on peut se barrer et tout simplement là. Ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Donc ça c'est fait. Oh coucou coucou Poké, comment ça va? Ça fait longtemps. Bah en même temps, ça fait longtemps que j'ai pas streamé. Mais c'est pas grave, comment ça va copain? Ça fait un bail. Ça fait plaisir un peu de voir les anciens. Mais de toute façon, là, je le savais qu'il y en avait un qui allait se faire défoncer.
C'était obligé. Mais obligé. Je vais où là? Ok. On est déjà passé par là-bas. T'as pas de sang? Comment ça, t'as pas de sang? T'as pas de sang de où? Attendez. Alors, parce que depuis tout à l'heure, non, depuis tout à l'heure avec Dark, il a l'air de m'entendre. Donc je sais pas si c'est moi ou si c'est le son qu'on n'entend pas bien. Je sais qu'il n'avait pas tout fait, ne serait-ce que si j'avais pas tout fait. Je crois qu'on n'était pas encore rentré dans la maison. Je crois qu'on peut pas y aller. Prendre. Ok. Là, je suis par rapport à où? Là, je suis vraiment derrière, en fait. Je passe là, en fait. Normalement, eux, ils sont là-bas. Si je me trompe pas. Ah, d'accord. D'accord. Il y en a un qui va être dans le garage, mais je sais pas du tout où est le garage. Bébé. J'ai entendu ça déjà. Alors, on va pas rentrer par la porte d'entrée. Forcément, on peut pas rentrer par arrière. Voilà, c'est génial. C'est absolument génial. Donc en plus, ça, normalement, ils sont dû partir dans le garage.
Il y a que ces pièces-là. Parce que... Enfin, quoi que. Ouvrir. Oh, génial. Du souhait. Ouais, bah oui, je prends le. Alors. J'ai une porte, mais derrière. Oh. Ok. Rejoins-moi au centre d'information quand tu auras fini. Donc c'était juste ici. Ok. Ils sont bel et bien passés par là. Ok. Oh, le fusible. Ah oui, je pourrais l'utiliser pour du coup pour le reste. Sans doute leur point de QG. Cet ordinateur fonctionne toujours. Oh. Petite, petite connerie. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. La moelle armurerie. Qu'est-ce qu'on fout là? On a changé de planète? On a changé de ville? C'est bon.
entendre une gamine. C'est chelou. Et donc, il y a des plans. Ok, donc nous, on est là. Je le sens pas là. Ah non, en fait, c'est même pas une gamine. C'est juste les portes qui se ferment. Ok. Charge vite. Elle est rapide, mais elle est morte comme une merde. Si t'apprendrais, ils vont m'attaquer. Je suis sûr un pote des boxers. Bon, vu sa gueule, elle a pas de culotte. Mais je veux pas voir ce qu'il y a en dessous. Ça va être ignoble. Quoique. Si elle est aussi polie que sa chevelure, tu me diras. Plus grand chose. Pièce détachée, putain, mais c'est génial ça. Des trucs dans l'ascenseur, je veux même pas voir. C'est stressant ces bruits. Je suis sûre dans la maison du diable. Vu comment c'est glauque, laisse tomber. Qu'est-ce qu'il branle?
Ça c'est fait. Attends, ça sauvegarde, donc ça va. Interdit de fumer. On est revenu au même endroit, je crois. Ok. Botte de fusible hors service. Vous pouvez réaliser temporairement, réalimenter temporairement les bottes à fusible hors service en tirant un carreau électrique dessus. D'accord, je crois que ça en a un. Ah bah non. Je peux le récupérer ou pas? Genre, à chaque fois. Relève-toi là. Je sais. Y'a pas autre chose là. Ah si, bah voilà. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour des munitions? Oui, j'avoue que ma phrase peut être un petit peu mal vue. Non, mais ça c'est parce que bon, mais des munitions c'est trousse de secours. Ok, contient de quoi restaurer une quantité moyenne de santé plus efficace qu'une seringue médicale. Vous pouvez fabriquer des trousses de secours. Des trousses de premier secours avec des herbes. Ok. Maintenir pour utiliser l'arsenal. Ouais, mais là, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin. Bah, bien sûr, Voilà, prends-le, c'est attends. pas de refus. Oh, ouais, d'accord. Que je vais faire. Mac 7, chargeur 3. Ok, par contre, ça, je vais plus l'avoir. Ok, donc là, on n'est pas trop trop mal. Forcément, il nous faudra des cartouches de fusil à pompe. Là, ça, c'est cool, ça. Ça, c'est bon, ça. Regarde juste un petit peu. Hop, 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 par contre, ça.
ça, je vais bien que pour le remplacer justement. Alors, je vais commencer un petit peu à bien regarder un peu toi et lui. Qu'est-ce qu'il a lui? Lui, il a rien, lui. Vas-y. Égoïste. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Si on l'a fait. Alors, j'ai toujours pas d'arbalète. Je vais essayer de voir. C'est un harpon. Ok. Là, j'ai bien visé en vrai. Allez, hop, ça c'est fait. On revient là-bas. Ok. Qu'est-ce qu'il y a rien à récupérer là? Ici, qu'est-ce que j'ai récupéré ici? Qu'est-ce qu'ils ont à me proposer au lit? Oh oui, je prends littéralement. Donc là, j'en ai 145. Je me demande s'il n'y a pas un truc de sauvegarde ici, non? Normalement, il y en a un là-bas, mais pour y aller. Ok. Quasiment un chargeur sur lui, quoi, s'il te plaît. C'est une blague. C'est une grosse blague. Mais ça, je savais bien qu'il y en avait à l'intérieur. Je le sentais qu'il y en avait à l'intérieur. J'en étais sûre. C'était obligé qu'il y en avait à l'intérieur. Ok. Là, je suis tombée sur un gros, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Est-ce que j'ai loupé des trucs? À savoir si j'ai loupé ou pas. Tac, tac, tac. Là, je refais bien le tour pour être sûr. Ok, t'en es quand même de là. Ok. Bon, ça c'est fait, on l'avait déjà vu. Voyons voir. Si j'ai pas
m'amuser à casser les vitres. Même pas de vitres, c'est nul. Et ouf, pas ça. Voilà. Alors, il y avait pas un truc en plus. Non. Est-ce que je peux repartir là-bas ou pas? Ou est-ce que justement il faut que je revienne? Je regarde bien. Je trouve que l'endurance, j'ai pas des masses avancées quand même. L'endurance a pas beaucoup changé. L'endurance. Faut juste attendre que ça se charge. Et on pourra retourner dans la ville. Allez hop. Alors, qu'est-ce qu'on avait pu voir? Ok, donc du coup je prends l'échelle. Voilà. 322, c'est la revenue. Ok. Ok. Donc là je vais pouvoir bien continuer à faire ça. What? Elle a dû avoir mal la madame. Ou ce qu'il en restait. Et hop, allez. Attends, je te prends ton truc. Dégueulasse. Mais il mourut. Allez. Donc c'est génial. J'ai donc du coup 8 balles de, du coup, de pistolet. Ok, comme ça là, je pourrais tout simplement, voilà, le charger, ça c'est plutôt cool. Ok, est-ce qu'on peut faire la maison d'à côté ou pas? Simple question. Non, bon. C'est pas grave, où est-ce qu'il faut que j'aille? Ok, ça là on l'avait vu. Ça serait cool que je puisse du coup y retourner pour pouvoir améliorer d'autres trucs que du coup je peux améliorer. Donc, du coup je vais essayer d'y aller maintenant, comme ça sera fait. Ok. Est-ce que je suis sur la bonne direction là? Ouais, si on veut. Ok. Ok.
t'es venu. Ça, c'est pas très très grave. Hop. Si, par contre, là, je sais que là, c'était là qu'on était allé tout à l'heure. Ok. Ok. Le bus, pour voir, ça a pas des trucs. Ok, que je fasse quand même bien attention. Ok, examiner. Je vais me faire cramer. Il s'énerve, il me cherche, il me cherche. Je vais du coup rejoindre l'établi. C'est ici ou pas? Ouais, c'est ici. Pour pouvoir tout simplement modifier mes armes. Que j'ai quand même 140 pièces détachées. Ok, amélioration d'armes. Donc pour lui, le temps de recharge. 20. C'est très cool quand même de le faire. Une seconde. Ok. Ok, 120 vies, du coup, pas assez. Ok. Puissance, il me demande 120. Combien il m'en demande ici? 160. Ok. Bon, ça c'est pas très très grave. Donc, du coup, au niveau d'ici, capacité. Ça serait cool pour la capacité. Ici aussi. Ok. Ok. Donc, ça c'est donc fait. Fabrication. Ok, du coup 14. Ça aussi. Ça, normalement, c'est bon aussi. Voilà. Pour tout ce qui est fabrication, ça c'est plutôt cool. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas une sauvegarde. Que je puisse sauvegarder quand même. Donc à la recherche d'une sauvegarde. Ok. Planque. Je vais aller à la planque du coup. Qui est normalement là-bas. Ok. Donc cette zone normalement elle est nettoyée. S'ils n'ont pas respawn. Forcément. Ce qui ne m'étonnerait même pas. Je vais essayer de voir.
zapper. C'est plutôt cool. Ok, donc là je vais donc aller sauvegarder. Coucou, c'est moi. Il est là, ce con. Ok. Donc là, je vais aller sauvegarder. Donc là, oui. Accepté. Ok. Bon. Donc je reprendrai la suite. Donc là j'ai sauvegardé, donc du coup ça va. Je reprendrai juste la sauvegarde tout à l'heure. Enfin pas tout à l'heure, je reprendrai le jeu sûrement soit mercredi, soit le week-end prochain. Comme ça voilà. Je continuerai la suite du jeu. Je vais faire un petit raid. Si. Voilà. Donc, que je regarde ce niveau raid. Si, il y en a un qui, là, je vais vous envoyer. Chez Dark Wong, je l'ai découvert récemment. Très récemment, il joue à Resident Evil 4 version pro. Je vais vous envoyer donc à lui. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour un autre live sur ce jeu. Et je vous laisse découvrir Dark Wong pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. Non, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est lui. Voilà. Donc, du coup, je vous envoie chez lui. Ouais, c'est lui que j'ai découvert hier. Il est belge. Donc, du coup, voilà. Donc, sur ce, moi, je vous fais plein de petits bisous. Et c'est parti pour le